Vous êtes de retour avec nous, KC Gnome, pour un autre épisode de Gnome Montréal, épisode numéro 6. Dernier épisode, on a eu quelques problèmes à essayer de construire notre tisseur, mais maintenant que c'est fait, on va pouvoir s'attarder à la complétion, bien oui, à la construction, en fait, à la fin de notre dortoir ici pour nos 7 lits. Donc, Carpenter, bed 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça ici, build. Furniture, bed, build. Ah, il en faut un au moins pour pouvoir le faire. Enfin, merde, c'est pas grave. Donc, au moins, j'ai quelques boîtes de fête. Je sais pas si la terre peut entrer dans les wood crates, je ne crois pas. C'est ce qui expliquerait pourquoi ça n'a pas fonctionné tout à l'heure. Ce que je vais faire, un endroit pour les saplings comme ça. Les clippings en fait, j'ai trop joué à Minecraft. Je vais faire ça juste en arrière ici. Designate area. Oups. Stockpile. C'est ici. Goods. Plantes. Clipping. Priorité 1. Back et construction. Storage, crate, on en a deux, on va en prendre deux pour l'instant. Et voilà. Donc on va avoir deux caisses qui devraient être apportées dans quelques secondes. Voilà. Je sais pas s'ils vont pouvoir rentrer ça là-dedans, ça devrait. Peut-être pas finalement. Je crois que pour les plantes, peut-être qu'il faut... Est-ce que je peux faire autre chose avec ça? Pas ça. Loom. Ok, ça c'est fait. Est-ce que j'ai un lit? Pas encore. Encore en train de travailler sur les boîtes. Fait ce que je vais faire, je vais... canceller ces deux-là. Pour qu'ils puissent continuer le travail sur... sur le lit pour compléter les lits le plus rapidement possible. Donc on va faire storage crate 3. Donc on va faire 3 crates pour le bois ici encore. Donc ça va faire beaucoup plus d'espace. Et voilà, beaucoup plus ordonné. Et voilà. Oups. Donc, est-ce qu'on a un lit maintenant? Oui, on en a un de fait, donc on va pouvoir les placer. Build. Furniture. Bed. Peu importe lequel. Donc, on va tourner ça ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc notre dortoir va être complété. Ce que je vais faire, je vais déconstruire, si on veut, le mur ici pour pouvoir sortir derrière aussi, ça va être plus rapide. Le soleil vient de se coucher. Si on accélère le tout, je vais pouvoir designate area. Dormitory. Donc un dortoir public. Donc ça vaut 525. Donc maintenant, les gnomes vont se diriger dans les lits pour dormir, ce qui va les garder réveillés plus longtemps. Le jour, en fait. Ils vont rester en forme. Magnifique. Donc, ensuite de ça, dans cet épisode-ci aujourd'hui, je vais commencer, du moins, la construction du hall. Donc, ce que je vais faire... Est-ce que je peux enlever... Sûrement, mais je me souviens plus comment on va vérifier ça. Oh, remove designation, ceci. Donc, ça c'était pour les marble. Designate area. On va faire un petit carré tout petit ici. Donc, pour le marble. Voilà.
C'est bien ça, oui. Le Raw Marble. Ensuite de ça, Build. Terrain et le mur. On va faire ça en bloc, on en a pas assez. On va faire quelques murs en marbre. Donc on va faire ça ici. Ça ici. Il recommence à pleuvoir encore une fois. Il va falloir faire agriculture. Fell trees. Adieu petit pain. Faire remove designation parce que c'est un petit peu dans les jambes. Designate area. On va tasser ça un petit peu plus. En fait, ce que je vais faire, je vais changer ça d'ici. Good stone. Et pour le raw stone aussi. Excellent. Donc, ce que je vais pouvoir faire ensuite, c'est build. Terrain. Build terrain. Bien sûr, on va faire les murs, on va terminer les murs en fait. Stonewall. Tac. Tac. Ceci. Et voilà. Et ensuite de ça, build terrain. En fait, non, on va faire terrain. Replace floor. Et est-ce qu'on a assez de logs? Oui, bien sûr. Build. Et voilà, ça va être magnifique ça. Donc là, c'est maintenant ce qu'il va nous falloir. C'est, je sais pas si je vais avoir le temps, je penserais pas en fait. Je vais juste me concentrer sur le carpenter à faire une table et quelques chaises, 2, 3, 4, pour monter un peu la valeur de notre hall ici qui va être commun. Donc si je vérifie le kingdom, donc la valeur a monté de beaucoup parce que j'ai fait un dortoir ici. Dormitory, 519 de plus. Magnifique. Donc les travailleurs qui s'affairent à travailler. On va accélérer ça un petit peu. Le temps de terminer le plancher et les murs. Ça devrait être assez rapide. Et on va juste faire une petite zone ici pour ce qui est... Ok. J'ai pas décidé ce qu'il y avait dessus, mais bon, on va faire furniture. Pour savoir un peu ce qu'on a en stock. Donc on a une table, on a une chaise, on a une autre chaise, donc on va avoir nos 4 chaises. En fait, ce que je vais faire 4, une autre table, 2 tables et 2 chaises de plus. Une table de plus en fait. Table, craft a table et 2 chaises. Voilà. Donc une fois que ça va être fait, je vais avoir une table double et des chaises tout le tour en fait, ça va être magnifique. Et je vais faire un peu d'espace aussi. C'est un peu le bordel en fait dans les dans le stockage, c'est pas très joli. Et voilà, on va tasser la terre. Ça devrait tranquillement se vider. Et se compléter surtout. Donc, quel beau travail acharné de notre équipe. Donc, maintenant que c'est nettoyé à 100%, on va pouvoir se... Oh, furniture... C'est des statues qu'il nous faudra en fait pour augmenter la valeur de notre hall, mais c'est pas plus grave que ça. On n'aura pas le temps, il reste juste quelques heures, donc... le temps de terminer la fourniture, donc la table, peu importe laquelle. On va mettre ça. Il en a fallu 3 pour bien faire, c'est pas grave. Donc,
Une ici, une ici. Et les chaises. Chair. Any chair. Maintenant, la question c'est comment tourner les chaises. Juste faire un petit check-up rapidement. Contrôle. Ok, c'est R. Donc, build. Furniture. Chair. R. Voilà, voilà. Voilà. Est-ce que je peux... Est-ce que je peux enlever la chaise? Ou ça va enlever le plancher, je crois. On va se voir dans quelques secondes. Ah, voilà. Donc on va faire une petite pause. Build furniture. Oops. Build furniture. Chair. Any chair. Et voilà. Donc tout devrait être en place. Donc designate area. Notre magnifique dining room. Ok, je viens de faire une petite erreur, mais c'est pas grave. Remove designation, voilà. Designate area. Dining room. Tac. Great hall. 426 de valeur. Donc, voilà. Excellent. Donc, dans quelques heures, en fait, les nouveaux gnomes vont être de retour. Pourquoi il y a plein de... Je comprends pas pourquoi. C'est comme s'il n'y avait pas de table, ou c'est parce qu'ils sont utilisés, je sais pas. Donc, pendant ce temps-là, tout juste avant que ça se change... Oups. Je vais continuer à descendre un petit peu dans les souterrains. Juste jeter un autre petit coup d'œil avant de terminer. Qu'est-ce que j'avais mis pour les stairs down? J'avais mis D. Excellent. Donc, ça va être D pour descendre. Donc, on va tourner ça ici. Donc, ça. Ça. Oups. Oups. Ah, c'est cancel job, bien sûr. Donc, continuons. Comme il faut cette fois. À quel niveau je suis? Je suis à 3, moins 15. Je vais me rendre jusqu'à moins 20. Puis, on va voir quelle ressource qui va se trouver au niveau 20 sous terre. Et voilà. Donc, c'est parti. Est-ce que j'ai juste un mineur? Je pense que oui. Miner, miner, et il y en a un qui dort. Donc, ce qu'on va faire, on va changer un farmer pour un miner. Comme ça, les deux vont être travaillés. Donc, on est encore dans le marbre. Ici, on a du... Oups. Du coal, je crois, pour faire des torches, ça peut être bien, ça aussi, pour améliorer la valeur de notre Great Hall. Ceci. Et pour ici, on va faire une petite zone 8 par 8. Oh! On a de la pierre rouge. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça va aller mieux si j'ai des escaliers pour descendre. Voilà. On va savoir ce que c'est.
On va savoir comment ça s'appelle. Stone, c'est des sandstone. Donc on a découvert du sandstone. Qui a une meilleure valeur. Oh, ici aussi on a du stone différent. Granite. Donc on est maintenant rendu avec du marbre, du granit et du sandstone. Ce qui va nous faire une petite récolte, pas une récolte, mais on va avoir des pierres différentes pour faire des trucs qui valent plus cher aussi. Donc c'est une bonne chose. Donc, on va avoir une belle petite collection. Pourquoi c'est en jaune? Je comprends pas. Build construction. Pourquoi j'ai pas de chaise? Qu'est-ce qui se passe? Build pressure door. Au fond, il manquerait deux chaises et une table. Carpenter. Ah, il n'a pas encore été fait, c'est pour ça. Je sais pas pourquoi. Mais bon, population. Woodcutter, pourtant j'en ai deux. Crafting, il y en a un qui craft et un qui dort, donc excellent. Donc c'est ce qui va terminer. Sunrise, 4:41. Ok, dans le fond il me restait encore quelques heures, mais dans le fond, ça va terminer l'épisode d'aujourd'hui là-dessus. Puis au prochain épisode, on va voir notre arrivage de gnome selon la valeur de notre population dans notre kingdom qui est de 3300. Donc ça devrait être pas si mal. On devrait en avoir peut-être 7 ou 8 nouveaux gnomes qui devraient nous rejoindre. Et on va continuer la mine évidemment. Puis on va continuer à améliorer aussi surtout le Great Hall pour la prochaine fois que les gnomes vont nous rejoindre. Peut-être mettre on va peut-être rajouter des statues en sandstone, des trucs comme ça. Donc on verra tout ça au prochain épisode. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager et liker les vidéos. Puis abonnez-vous pour la suite de Gnomoria. Alors prochain épisode, on se retrouve là-bas. Donc à la prochaine. Ciao!